Dal tuo punto di vista, quali difficoltà o resistenze incontra la psicanalisi oggi e perché? Alors, je crois que la France est dans une position privilégiée parce que la psychanalyse en France est très attaquée, comme partout, et c'est une excellente publicité. Débat à la télévision, à la radio, sur la psychanalyse reste important dans un esprit souvent extrêmement critique, mais ça n'empêche que ça continue d'intéresser les gens. Donc, je trouve que la psychanalyse reste extrêmement vivante. Alors, à l'université, là aussi, c'est extrêmement débattu. Il y a beaucoup de gens contre et il y a beaucoup d'éliminations de psychanalystes des postes universitaires. Néanmoins, les étudiants sont extrêmement intéressés. Moi, j'ai été professeure à l'université et j'avais une foule d'étudiants à mes cours. Et après les cours, j'étais assiégée par les étudiants qui posaient des questions. Aujourd'hui, je travaille encore à l'hôpital et je suis très frappée par le fait que les étudiants en médecine sont très forts sur le plan biologique. Et puis il arrive un moment où ils sont complètement démunis devant un patient. L'enseignement de la psychiatrie, c'est de classer un individu dans une généralité. L'approche psychanalytique, c'est l'inverse. C'est de mettre l'accent sur la singularité de chacun. Et ça continue d'intéresser beaucoup, beaucoup de jeunes qui se trouvent démunis. Ils sont beaucoup plus forts sur le plan scientifique dans la biologie. Bon. Mais voilà, la psychanalyse a encore quelque chose à nous apporter. Je trouve que c'est extrêmement important, bien entendu, et très encourageant pour nous. You know, I remember reading on the last interview that Anna Siegel gave before she died, that she said that, you know, our culture is a very anti-mind culture, and that, you know, with this emphasis on quick result and little space for thinking, little space for reflection. I think that's one aspect of it, but I think we, you know, we have to do our own mea culpa also, because my sense is that we really lost touch in two ways with the community. In one way is that I think we don't communicate enough what we do, and in the imagination of the normal person, we're still stuck with the Freud, as if psychoanalysis was still Freud, and we have been not able to communicate what we do now, the type of patient we do now, we see now, and all the, you know, all the different ramifications in which we can contribute, like you know, mother and babies, couples, school education, and so on. So I think that's one aspect. The other aspect I think is extremely serious. We are out of university and out of hospital. We let the Lacanian take all the position in the universities, and in the hospital we lost, I think, our contribution, which has been traditional to the psychiatric school and to psychological schools, to psychiatric education, educational psychology. What's been going on for a while, and I think maybe that Sweden was ahead of that, is the lobbying or the great onslaught of cognitive behavioral theory as being the evidence-based treatment. That has had a great impact in Sweden. For example, I work in psychiatry half-time myself, and suddenly that's all that's going to be given to the patients. And there's nothing wrong with cognitive behavioral therapy. I mean, some patients really need it. I've recommended it even to private patients for some patients. So that's not the issue, but it's just having that as the frame.
And that has really been, you know, heavy on us. Because what's happened is that we used to be idolized. And with the questioning of our authority, we have to be thinking about ourselves in a different way that I think is very good for us. Because psychoanalysis is still strong if you go to philosophy or literature in the academic world. Mm-hmm. There's a lot of knowledge about Freud and about psychoanalytic theories and Lacan. And so at the moment, I think that's the stronghold for psychoanalysis, while at the clinical area, that's where there's struggle. Donc, à ce moment-là, on a une pensée opératoire, simple, qui colle à la chose dont elle parle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il y a jamais de jeu entre deux aspects. Ça me semble être les résistances les plus grandes. Actuellement, on voit cela dans la presse et l'utilisation de la presse quand elle veut attaquer la psychanalyse, c'est toujours sur ce mode-là. C'est vouloir supprimer la prise en compte du facteur psychique. Il nous faut obtenir un résultat, un comportement, une façon d'être, une instrumentalisation, mais ils oublient beaucoup le temps nécessaire pour la richesse fantasmatique, la richesse mentale. Voilà. Donc ça me semble être un aspect important qu'en France, on utilise des mots anglais pour dire l'attaque contre la psychanalyse. On parle des lobbies et des lobbying, qui est une nouvelle façon d'attaquer la psychanalyse, qui consiste à demander aux législateurs, aux gouvernements, de faire des lois qui suppriment la vie mentale, ce qui est quand même une nouvelle modalité. Avant, on n'allait pas demander le législateur. Maintenant, on demande aux législateurs de créer des lois où, pour soigner des enfants, il ne faut pas que l'on s'occupe de leur vie mentale, il faut qu'on s'occupe uniquement de leurs résultats, de leur comportement. Moi, je pense que nous avons aujourd'hui affaire, effectivement, dans toutes ces nouvelles pathologies, à des personnes sourdes et muettes à leur affect. Et donc, ces problématiques-là, aujourd'hui, donc constitue effectivement quelque chose dans la culture, dans la modernité. Ce développement des pathologies fait qu'il y a quelque chose de résistant à l'inconscient. Uno dei più potenti ostacoli all'approccio psicoanalitico oggi è costituito dalla difficoltà o riluttanza dei soggetti ad accettare la dipendenza. Questo elemento, che un tempo era molto più ridotto, oggigiorno caratterizza in modo forte la diffidenza delle persone e dei gruppi ad affidarsi alla competenza di un analista, perché l'idea stessa di dipendenza è offensiva verso il senso di sé, verso un aspetto narcisistico di sé. Come se le persone oggi dicessero all'oggetto: oggetto, non mi avrai, non dipenderò da te, terrò il mio baricentro sulla mia base. Ecco, questa rieducazione alla relazione non può essere imposta, come dire, concettualmente. È una condizione che va riguadagnata un po' alla volta attraverso un'esperienza di convivenza in seduta e in terapia che modifichi la diffidenza di fondo del soggetto nei confronti dell'oggetto, cioè dell'altro. Questo ha reso sempre più frequente il fatto che i pazienti vengano presi in trattamento a un numero inferiore di sedute, che sembra spaventarli meno e sembra suggerire meno l'idea di una dipendenza, per poi poterli condurre, una volta rassicurati, a intensificare il numero delle sedute, il che vuol dire intensificare la relazione con l'altro.
On est là dans un moment difficile dans les premiers entretiens. Est-ce que c'est quelqu'un qui vient et qui a des résistances pour s'engager dans une analyse, ou est-ce que c'est nous, analystes, qui voulons absolument le pousser vers une analyse? Et ce qui a changé dans ma pratique, c'est que quand j'ai commencé, pour moi, j'avais 3 entretiens préliminaires et c'était terminé. Je savais ce que j'indiquais. Ça, c'est terminé actuellement. J'ai parfois des entretiens préliminaires qui durent des semaines, des mois. Mmh. Oui. Parce que je ne trouve plus que c'est possible. Les gens, souvent, ont besoin d'abord de savoir qu'est-ce que c'est qu'un travail analytique. Et si je vais trop rapidement, ils ont peur. C'est vraiment traumatique. Parce que ce n'est pas le traumatisme de me rencontrer, mais c'est le traumatisme de se rencontrer eux à travers moi et la profondeur des failles qu'ils ont. Je crois que c'est aux analystes de s'adapter pour rencontrer ces patients-là sur leur terrain, qui peuvent être des conversations d'abord, du face-à-face, souple. Cela dit, je considère qu'en faisant ça, on reste analyste, parce que le but, c'est quand même de les amener lentement dans un processus analytique. C'est ce que nous faisons depuis des années à l'Institut psychosomatique de Paris. I teach at the Lomonosov Moscow State University, which is the oldest and largest university in Russia. And I teach at the Department of Psychology. And it may be a bit of surprise that there are several IPA analysts who are having positions or professors who are professors of this university, and there are also colleagues who are not analysts, but they include or add this perspective in their courses. So I would not say that we are a psychoanalytic faculty or department, but this interest is really present, and students like it as well. Not really very much. I mean, in the state system, health system, it's present, but if there is a colleague or a candidate or somebody works there, so he could offer this, and if his hospital or his chief or her chief finds it interesting, this could be incorporated, but I couldn't say that it's really present. Mm-hmm. Oui, c'est-à-dire que déjà, comme je vous avais dit, j'ai marqué, en fait, j'ai souligné que la pratique psychanalytique est nouvelle en Turquie, récente. Pas la théorie, parce que moi j'ai fait mes études de médecine en Turquie. À la fac de médecine, dans les cours de psychologie médicale, on nous a enseigné les théories freudiennes, comme les théories comportementalistes. Dans les facultés de médecine, dans les facultés de psychologie, on enseigne la psychanalyse. C'est une psychanalyse très schématique et très, très courte, mais quand même, ce n'est pas quelque chose qu'on interdit. Par exemple, en Turquie, nous intervenons dans les congrès de psychiatrie, et que pour sensibiliser nos collègues psychiatres ou psychologues, cliniciens, au concept psychanalytique. Pas pour qu'ils deviennent tous psychanalystes, mais pour qu'ils aient au moins une écoute, qu'ils ne prescrivent pas tout de suite dans 20 minutes, 20 secondes, un médicament, qu'ils écoutent un peu leurs patients. Nous sommes malheureusement restés une pratique qui est extrêmement chère. Et je pense que c'est ça le gros problème. Parce que je ne crois pas vraiment à la compétitivité des autres méthodes. Je le vois en France et je le vois en Grèce. J'ai énormément, par exemple, de jeunes psychiatres biologistes qui, après 10 ans de pratique, viennent me voir pour demander une analyse parce qu'ils s'ennuient dans leur travail. D'autre part, on reçoit aussi énormément de personnes qui ont fait des psychothérapies behavioristes et qui retombent dans le même marasme quelques années après. Alors, par contre, fait intéressant, c'est qu'en Grèce, il y a beaucoup de patients
parce que c'est nouveau et que ça commence à intéresser. Mais ça n'a pas pénétré ni le milieu médical, ni le milieu culturel. Alors en Grèce, par exemple, la psychanalyse est beaucoup moins connue, mais pourtant on a déjà deux institutions, une clinique universitaire qui est très orientée psychanalyse et avec laquelle nous pouvons dialoguer, et aussi en cancérologie. Il y a des petites unités avec des psychanalystes qui travaillent en cancérologie. C'est déjà pas si mal pour un petit pays. There was a time when I trained, which is 60 years ago, where there were still a few, not many, but a few psychoanalysts who worked in Department of Medicine, in psychiatry, in psychology, and in humanities. That they have all lost their jobs. There is more or less nobody now. Although it restarts very slowly, very interestingly, in England, in London, sorry, not in London. But the government is totally against any kind of psychoanalysis. And now that we are in this state of crisis and we have, with the new government, we have had a lot of cuts, psychoanalysis and psychoanalytic therapy has completely been disorganized and cut. They want quick fix. And of course, behavior modification is quick and nice. And they do a little bit of modified behavior therapy, which has a bit of psychoanalytic flair to it, but it's nothing. And there it's very bad, the outlook is very bad. Although there is a growing interest in psychoanalysis in the humanities and in the English department now, they demand it. Je pense que, en tout cas à Genève, il y a un peu de recherche de dialogue, mais pas beaucoup entre les institutions et la psychanalyse. Par contre, je pense que dans le public, il y a une grande attente du côté des thérapies relationnelles, parce que le public, la plupart des patients n'aiment pas recevoir des médicaments. Et alors, actuellement, il y a moins de psychanalystes, de psychothérapeutes, alors les gens vont se diriger là où il y a des relations. Bon, il y a des coachs qu'on n'avait jamais vus jusqu'à maintenant, il y a tous ceux qui pratiquent des thérapies orientales, des thérapie personnelle, donc il y a une demande du public et je pense que nous pourrons nous manifester, continuer à nous manifester au niveau du public. Creo que el problema de España es muy complicado desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista político. Venimos de una historia muy dramática con toda la presencia del franquismo, de la dictadura militar durante muchísimos años, que hizo del psicoanálisis una especie de disciplina inexistente, casi prohibida durante mucho tiempo. Sin embargo, yo creo que hoy en día hay una serie de tendencias como el pragmatismo, como la necesidad de situaciones rápidas, vertiginosas, éxitos inmediatos, resoluciones inmediatas, la sustitución de la reflexión por la acción, que han hecho que dentro del mundo de la psicología y de la psiquiatría prevalezcan claramente el conductismo o el behaviorismo o los psicofármacos, ¿no? Y el psicoanálisis tiene, sobre todo en la universidad y también en los hospitales, un espacio muy reducido, que a mí personalmente me preocupa enormemente. Por otro lado, nosotros tenemos lo que se llama el Centro de Atención Clínica e Investigación, que es como se hizo en Argentina el Instituto Racker o como el Instituto Eitingon en Berlín, en principio, es la posibilidad de brindar una asistencia psicoanalítica o psicoterapéutica a tarifas reducidas.
Bueno, esto ha permitido que haya, y es curioso en el mundo de la crisis de hoy, donde hay un descenso enorme de pacientes, hemos comprobado que al descender las tarifas aumentan los pacientes, lo cual eso lo podía haber descubierto Perogrullo, pero lo hemos constatado de nuevo nosotros, es decir, que si se cobra menos, hay más pacientes. Je parlais de la Belgique et surtout de Bruxelles. Ça vient du fait que en Belgique, les analystes, en dehors de la société de psychanalyse, sont très impliqués dans des formations bébé, dans des formations bébé-maman, des formations petite enfance, enfant-adolescent, adulte, et qui font ça avec une perspective psychodynamique. Donc on est très en contact avec des psychothérapeutes qui, eux, travaillent alors encore beaucoup dans les institutions, et donc il y a toute une culture analytique qui est dans les institutions. Ces psychothérapeutes sont supervisés pour la plupart du temps par des analystes, et donc il y a une culture qui est encore là. Mais j'ai eu pendant des années, tout un centre de santé mentale en supervision. Et au moment où il commençait, c'était normal qu'il travaillait à une séance par semaine. C'était tout à fait normal. Et puis, le directeur a décidé que c'était une fois tous les 15 jours. Il pouvait encore voir les patients une fois tous les 15 jours. Et maintenant, c'est une fois tous les mois. We live in a, I think it's, we can describe it as a very socialistic society where there are very good assurance systems for the patients, and it was relatively easy to get an analysis for free or nearly for free. There were institutes that were permitted to deliver analysis, but now that all disappeared. And now there is, in the official mental health, there's only the possibility of getting psychoanalytic psychotherapy, but I am afraid that it will disappear in the years to come, also due to the economic crisis, or what's called the economic crisis, yes. The resistance, the mainly cultural resistance that is, well, it's... it has to be short, but that's a resistance from the policy makers and the insurance companies. Psychoanalysis, starting in the 70s, in both the graduate training and medical education, was slowly inched out of the academy. In the academy, it was more and more behavioral methods, cognitive therapy, something that was more in line with an academic orientation or medical orientation. So it's been pretty much absent. And in some ways, the psychoanalytic institutes in my country have taken over the psychotherapeutic training of people who are interested in the psychoanalytic perspective. And those parts of institutes are thriving, for example. In one of our institutes, we have a psychotherapy track of 2 or 3 years, and there's something like 40 people who apply for that. Mm-hmm. So from that perspective, it's the psychoanalytic institutes are taking on more and more of the psychotherapy training. In our country, we have a big tradition in psychosomatics. Mm-hmm. And nearly all the professorships in the medical schools and universities were run by psychoanalysts. But more and more, it became less and less it's the connection with the with this quantified thinking and with behavioral cognitive theories. So we are losing in this field. But at the same time, it is established, for example, in the law for to becoming a medical specialist. Many specialists have to do ballet groups, for example, to reflect the patient-doctor relationship.
under psychodynamic aspects. This is a duty for example, for gynecologists and for general practitioners as well, and for psychiatrists and so on. Psychiatry is more and more biological understood, biological psychiatry, but there is nearly no psychiatric hospital all over the country without psychodynamic supervision. But this is not in the official concept of the clinic. Officially they say and they do biological psychiatry, but they know and they value that psychodynamic and very often by psychoanalysts, supervision is very helpful for the team supervision. Mostly it's concentrated for a patient or so. In this, so we are present, but we are losing officially in the medical world. In the psychology, in the world of psychology, it's very, very hard. For nearly all of the professorships in psychology are run by behavioral cognitives, and we don't have any chance there. And that's a big problem. La résistance vient aussi du côté des collègues qui ne veulent pas laisser le pouvoir médical. Donc ils ne veulent pas laisser le pouvoir médical ou psychologique qu'ils ont d'habitude d'exercer. Donc ils interviennent trop, ils veulent avoir, comme Freud nous a interdit, la grandeur de la médecine ou d'enseignement. Donc ils viennent d'eux plutôt. Alors sinon au niveau culturel, vous savez que donc, la majorité des Turcs sont musulmans, au niveau culturel il n'y a aucune résistance, c'est-à-dire que les Turcs, c'est un peuple méditerranéen, donc les garçons adorent leur mère adore leur fils, enfin c'est un peu le même schéma, disons, tout à fait oedipien, très, très classique. Hein, donc, et qu'à ce niveau-là, il n'y a qu'un problème. Au niveau de l'inconscient, enfin au niveau de l'inconscient, déjà, l'inconscient n'a pas de culture, n'a pas de sexe, enfin, il n'y a pas de définition là-dessus. Au niveau des patients, enfin, personnellement, je n'ai pas eu de difficultés. Mes collègues aussi. Moi, j'ai eu des femmes qui portent un foulard, qui sont allongées sur mon divan, qui ont raconté leur vie comme les autres. Enfin, les mêmes difficultés, bien sûr. C'est pas facile de faire des associations, mais ce qu'on peut voir un peu partout. When I returned to Israel, at every university, there were psychologists, psychiatrists, who were analysts, and all the hospitals, the major psychiatric hospitals and departments had analysts as their chairs and directors, medical directors. And this was in the 60s. And as you know, and I think as it happened in most other countries, in the 70s and 80s it switched. And by now there are almost none. I think that's not a very good development, because obviously I think we need to be present at the university. So, but also in the mental health field, you know, analysts have become scarce. They've all gone into private practice. Very few work in public institutions. And I say that even though in my country, in Israel, psychoanalysis actually does enjoy a very good position, in a sense, you know, among the public, and in various organizations, also of the non-analytic psychotherapists. Psychoanalysts are sought after, they are invited, they are major speakers, and so on and so forth. So there is still a very good atmosphere, and also as a result of that, we have many candidates. We have more candidates than we can take. So that's very good. In England, in a way, I think we have been privileged because we have did always hard. Most of the population, even today, do not know even what psychoanalysis is. We have never had any support from the health service,
So if you come to analysis, we have to make compromises, but the patient has to be able to pay. But we have patients. We ideally in England want to see our patient 5 times a week in psychoanalysis, and that of course is difficult. Although we find it, we make big sacrifices. We go our way. We go down in price, and the patient make an effort. But we don't have any shortage of applicants for 2 or 3 times. And the institute, who offers only 5 times a week analysis, is flooded by demands. So the demand is there. And if people cannot do otherwise, because the institute offers 5 times, sure. And there is a great interest or a great appeal for something sometimes that they don't quite know. But they know it's thorough, they know it's very humane, and they know it's not just pills. That the people know. A suo avviso, quali discipline o quali istituzioni possono dialogare proficuamente con il pensiero psicanalitico? Moi, je pense que si quelqu'un a envie de parler avec des biologistes, mais qu'il le fasse. S'il a envie de parler avec des peintres, des sculpteurs, qu'il le fasse. Et qu'il crée comme ça son centre ou son lieu de discussion. Mais choisir que c'est les neurophysiologistes ou les universitaires, moi je trouve que ça serait vraiment catastrophique. Alors, pour rajouter là, parce que ça c'est quand même quelque chose que j'aimerais rajouter, je ne crois pas du tout à qu'un dialogue avec les universitaires, comme certains le proposent, sera l'avenir de l'analyse. Je ne pense pas du tout, je ne suis pas contre au dialogue avec les universitaires, mais ce n'est pas ça l'avenir. Hein, ce n'est pas ça l'avenir, parce que les universitaires, leur fonction, c'est de simplifier la pensée. Je suis désolé, c'est ça, parce qu'ils doivent transmettre une pensée simplifiée aux étudiants. Alors si nous commençons à simplifier notre pensée, c'est la mort de l'analyse. La psychanalyse ne peut pas choisir des disciplines. Je dirais, on devrait, entre guillemets, s'intéresser à toutes les disciplines. Toutes les disciplines sont un objet d'intérêt pour la psychanalyse, par définition. À condition qu'elles ne se confondent pas avec les autres disciplines ou qu'elles n'importent pas les autres disciplines en elles uniquement pour échapper à sa propre rigueur et sa propre logique. The mind-brain problem is with us. I doubt that it's ever going to be fully resolved. It's a classical problem. But I see no harm in dialoguing as long as we still remember that our basic knowledge really comes from the psycholytic setting itself. And, you know, in Freud's genius was that out of what he did with these adult patients that he saw, he constructed something about infantile sexuality in a way that had nothing to do with observation and with experimentation and all sorts of things which in a modern scientific way we would all be required to do, because otherwise it wouldn't be accepted, right? But this is also the strength of the psychoanalytic method. And so, you know, I don't think we need to be closed to other influences, but I think we need to rely and have trust in what we have developed. And I think that's a very interesting meeting point, is the neuropsychoanalysis, where, I mean, they're actually doing what Freud wanted to do. They're biologically showing psychoanalysis. I think what they can do is, like in the neurosciences, they can provide a certain amount of confirmation or disconfirmation of some of our own hypotheses, although I must say that what I've seen of that data, it's
it's more confirmatory than anything else about certain ways that we've thought about it. In terms of the humanities, it's very interesting. When I talked with people from the humanities, there are two things that have happened. One is sometimes they can bring a new perspective on certain things that I have found very, very interesting. But there's another way that people in the humanities talk, it seemed to have nothing whatsoever to do with the psychoanalysis that I understand. Alors, vous me disiez les dialogues avec d'autres, bon, je crois avec d'autres disciplines. Oui, alors là, je pense que c'est un peu compliqué, parce que les dialogues sont souvent à sens unique. C'est-à-dire que bien souvent, les psychanalystes s'intéressent à beaucoup d'autres disciplines. La physique, les neurosciences, mais aussi les milieux artistiques, culturels. Mais en ce qui concerne les domaines scientifiques, nous nous intéressons à la manière dont ils pensent, mais eux, en général, ne s'intéressent pas beaucoup à la manière dont nous pensons. Et par exemple, qu'il y a une différence essentielle entre l'inconscient des neurosciences et l'inconscient des psychanalystes. Et que nous utilisons le même mot pour désigner des choses totalement, mais vraiment totalement différentes. Donc je crois que le dialogue est un peu une illusion, même si je crois que c'est important de rester ouvert. Par contre, dans tous les domaines culturels au sens artistique, c'est la peinture, la sculpture, la littérature, le théâtre, etc. Je crois que là, les dialogues sont beaucoup plus à double sens. Ich glaube, dass dieses kleine Hoch mit den Neuroscience ist eine Illusion. Es steht parallel zueinander, es gibt ein gemeinsames Pedal, aber es gibt keinen entstehenden Dialog, nicht wirklich. Ich bin ein bisschen deprimiert darüber. Die Wissenschaftspraxis sagt, wenn du nicht an der Universität bist, gibt es keinen Dialog. Und wir sind nicht mehr an den Universitäten und ich habe noch keine Idee, wie uns das gelingen kann in kurzer Zeit. Ich glaube aber, dass zum Beispiel, was wir ein bisschen jetzt anfangen, was sehr erfolgreich ist, auch in Sachen Öffentlichkeitsarbeit, ist die Auseinandersetzung mit Film. Mit Film, mit Cinema, mit Literatur, mit Kunst. Und ich glaube, dass das Bereiche sind, wo Analytiker, wenn sie bereit sind, von den Filmemachern, von den Literaten und den Künstlern zu lernen. Also nicht zu sagen, ich deute eure Pathologien und sage, ihr habt eine Hysterie oder Depression. Sondern wenn sie sagen, ich möchte verstehen, was das für ein kreativer Prozess ist, den ein Maler durchgeht, wenn er etwas entwickelt, was plötzlich neu ist. Ich möchte das von dem verstehen. Wenn wir so rangehen, glaube ich, werden wir Möglichkeit haben für einen Dialog. Many different branches and disciplines start probably not only with academic fields. Mm-hmm. Like, there is an interesting dialogue, I think, which has been very lively for many years between psychoanalysis and cinema. Because cinematography is also a kind of research. Perhaps you heard David Tuckett recently published a book, Mind in Markets, Emotional Finance and Psychoanalytic Point of View. I think it's also an interesting interface between psychoanalysis and the world of finance, economy, and I think really, it's not only a dialogue, but psychoanalysis could contribute to the new economic thinking. I also think that neuroscience and
feels like this. Of course, we shouldn't leave, we shouldn't lose our own perspective. Non ho dubbi, l'area preferenziale sarebbe proprio quella della sofferenza psichica, quindi della psichiatria in tutte le sue estensioni e articolazioni, dai trattamenti dei bambini a quelli degli adulti, intendendo naturalmente con questo che non si tratta di mettere sul lettino dello psicoanalista i pazienti gravemente psichiatrici o i bambini autistici che non riescono a relazionarsi, ma si tratta di utilizzare degli strumenti psicoanalitici che ci sono per mettere in condizione le persone che si occupano di queste malattie, di questi pazienti, per metterli in condizione di comprendere meglio quello che succede, di convivere meglio e in modo più terapeutico con queste persone sofferenti e per aiutarle a tollerare situazioni a lungo termine, a volte drammatiche e comunque sempre molto pesanti. Je suis convaincu que la psychanalyse ne peut pas se développer si nous ne gardons pas un contact étroit avec la psychiatrie et la médecine. Le genre de patient que moi j'ai eu personnellement et dans les institutions et donc finalement après à mon cabinet sont des patients extrêmement graves avec qui il nous faut un filet psychiatrique ou un filet médical. Alors c'était beaucoup plus facile en France il y a 20 ans ou 30 ans, ça l'est moins maintenant à cause de la psychiatrie biologique, mais on a quand même nous avons quand même un dialogue avec des psychiatres et ça me paraît important. Moi, je pense que les interlocuteurs privilégiés de l'analyste sont les personnes qui s'occupent de la santé psychique et de la santé physique. Et que, bon, on a mis beaucoup de mal pendant des années à faire comprendre au monde médical et à faire accepter que l'homme est une psyché et un soma, et à faire ce lien que nous sommes une psyché et un soma. Et ça a fait son chemin. Il y a eu un moment, bon, quand il y a eu l'essor de la psychanalyse, il y a eu un moment où c'était dans les mentalités, où on était convaincus, le monde médical aussi, que nous étions une psyché et un soma. Le problème avec la crise actuelle, c'est que à nouveau, il y a une résistance scientifique, on revient au clivage du tout génétique, on veut chercher des gènes de tout, les gènes de l'homosexualité, les gènes de la schizophrénie, les gènes, et on vous convainc qu'il y a des gènes absolus de toutes les maladies, on revient au tout génétique. Et on retourne à ce clivage, et je pense qu'aujourd'hui, il y a un clivage à nouveau, et il y a tout un travail à refaire pour essayer de à nouveau lier l'homme en tant qu'une entité, étant une psyché et un soma. Bien sûr, avec la médecine, mais avec beaucoup de prudence pour moi, la médecine avec neuroscience, d'accord, mais parfois ce sont des choses qui m'inquiète un peu, hein, quand on sort un peu de la psychanalyse. Il faut que la psychanalyse soit quelque chose de spécifique. Enfin, il ne faut pas parler de la spécificité de la psychanalyse. Hein, donc c'est un peu ça. Ce n'est pas une branche de la médecine. Hein, Freud a décidé ainsi. Non, sinon, bon, la médecine c'est très bien, moi je suis médecin, mais en même temps, la médecine c'est autre chose, la psychanalyse ça en est tout autre. Sinon, bien sûr, avec les sciences sociales que nous essayons de faire, les sciences humaines, et aussi les domaines de la création de l'art, de l'être humain, c'est les beaux-arts. Hein. Les beaux-arts aussi, les arts comme cinéma, théâtre. Let me give an example. I'm a medical doctor, and I have a group of doctors becoming a psychiatrist. In their training, I give them a kind of group supervision. And what strikes me so much is they are so interested in psychodynamics, let's say, of understanding people,
and do different things than just diagnosing and giving medicines and so on. And I think that's very promising. And so I think the dialogue with the traditional medical schools and the psychiatric training is of great importance. I think nearly all humanities can. That's not special. For example, one small example. We do a summer school or summer university in psychoanalysis. We offer 1 week from morning to evening psychoanalytic lectures to the public. And there are, the last years, there have been 4 judges taking part all the time. For they say, judges in family affairs. And they say it's very, very helpful for us to have an idea that we, that there are unconscious reasons what we are dealing with, and we are eager to learn about this. Or we have a yearly meeting of 10 or 12 analysts who are very, very well known in the field of culture, and to do a lot of film, for example, film psychoanalysis, or in arts and psychoanalysis and so on. And we meet with 10 or 12 famous artists of our country, artists and cultural scientists and writers, for example, and have an exchange. And so it's very fruitful as well. And we are trying to become public with, we did 3 statements, or 4 public statements in the last 2 years. One was about caring for little children in care homes. This was one. The second one was, we made a statement when there was the nuclear catastrophe in Fukushima. The third one was about sexual abuse. This was a field which was discussed very much, sexual abuse of children and adolescents in institutions, the Catholic Church and in mm-hmm. schools and so on. Main dengan anuku, jangan main dengan anuku. Dia nanti bisa mengeras, dia nanti bisa melunak, dia nanti bisa membuat kamu jadi sakit. Main dengan anuku, jangan main dengan anuku. Lebih baik engkau sentuh, lebih baik.